Salut à tous, c'est Manarod. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty 4 pour un petit live commentary. Donc je me suis décidé à en faire un deuxième parce que j'ai vu que pas mal de gens avaient aimé ma première vidéo. Donc je me suis dit on va en faire un deuxième en live pour parce que certains me l'avaient conseillé. Donc je vais faire ça en live. Et voilà. Sur Code 4 aussi, parce que Code 4 pour moi c'est vraiment le meilleur jeu de tous les... C'est vraiment le meilleur Call of Duty. Et pour moi, un des meilleurs FPS. Donc voilà, je vais essayer de gagner cette partie. Ça serait bien quand même. Parce que là, ça fait plusieurs fois que je recommence la capture et tout. Parce que sur ce jeu, l'autre quitte la partie quand on le tue trop souvent. Et voilà, ça quitte tout. Donc j'espère l'autre ne va pas quitter la partie et ma connexion ne va pas bugger aussi parce que ma connexion bug en ce moment. J'ai des gros bugs. Donc là, lui il l'a vu. Je lui lance une grenade à fragmentation qui sont vraiment beaucoup plus efficaces sur Call of Duty 4 que sur MW2. Voilà, un petit bug de connexion qui m'a bien profité. Donc là je vais me planquer un peu pour balancer mon bombardement sans me prendre de grenades. Voilà. Donc en parlant de ma... Ah bah c'est tout pile, j'ai eu mon hélicoptère tout pile. Donc en parlant de ma classe, je joue avec ma cartouchière, force d'opposition à impact lourd. Qui est pour moi une classe vraiment basique sur ce jeu. Ah bah là il n'y a pas d'hélicoptère dans le ciel, donc je vais balancer le mien. Donc tac, ça c'est fait. Donc je ne sais plus quoi dire. En parlant de moi, je vais me faire un prochain... ma prochaine frag movie va sortir là, je pense, courant de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine. Elle sera un peu spéciale, donc je vous engage à aller la voir quand elle sortira. Et j'espère qu'elle vous plaira. Et puis voilà, bon, je vous en dis pas plus à son sujet. Vous verrez bien qu'elle sortira. Hein. Donc lui, je pense qu'il est planqué là. Et non, il est pas planqué là. Non, il était là. Hop. Oula, non, c'est bon. On va se planquer dans le placard. Non, je suis pas une vieille chaussette, mais je me planque quand même. Pas envie de mourir. Donc là, il est en train de tirer sur notre ennemi. Boum, kill facile. Et voilà, headshotage à l'hélicoptère. J'en redis ce petit mot headshotage parce que j'avais remarqué que beaucoup avaient réagi dessus lors de mon premier commentaire. Donc je vais essayer de le replacer de temps en temps dans mes vidéos pour rappeler des petits souvenirs à certains. Donc là, hop, j'ai évité martyr. Mon deuxième hélicoptère vient de partir, je balance le mien. Oum, boum. Je sais pas si vous l'ai déjà dit, mais là je joue avec la K47 en or parce que j'étais vraiment un gros élève de ce jeu qui était mon premier Call of Duty d'ailleurs. Et j'ai plus de 35 jours de jeu il me semble. Donc c'est pour ça que j'ai la K47 en or. Donc là je suis vraiment en train de les dominer, je suis en train de remarquer ça. Donc là on va encore une fois de plus se planquer pour balancer la frappe aérienne. J'espère l'autre ne va pas quitter avant la fin de la partie. Donc là encore un troisième hélicoptère. Donc je suis en train de me remarquer que je fais un bon score là. Boum, alors ça, super, je saute, hop, je me prends la clé morte et la grenade qui vient d'arriver. Vraiment de la chance, moi. Voilà, il me reste plus qu'un kill. Je pense que l'hélicoptère va le faire, et non. Ou ça sera moi, je ne sais pas. Ah, ça sera peut-être moi. Ou à moi, ça va faire comme dans le premier commentaire, ça va être... Eh ouais, comme dans le premier. C'est l'hélico qui fait le dernier kill. Donc, je vous invite à vous abonner, si c'est pas déjà fait. À réagir en commentant cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Puis bonjour à tous.